126 morts, 250 blessés, c'est un incendie meurtrier et c'est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de Paris, le bazar de la Charité. Parmi les victimes, de très grands noms, notamment la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi l'impératrice. Mais alors, qui est à l'origine de ce drame? Qui est le coupable? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en visitant Notre-Dame de Consolation, la chapelle construite en l'honneur des victimes. L'incendie s'est déroulé le 4 mai 1897 lors d'un événement annuel, le Bazar de la Charité. La manifestation réunissait une centaine d'œuvres de bienfaisance pour des levées de fonds auprès des notables. Cette année-là, ils ont reconstruit une vieille rue de Paris pour installer de nombreux stands, majoritairement en bois. Dans l'un d'entre eux, on y présente une invention encore révolutionnaire pour l'époque, le cinématographe. Le problème, c'est que la lampe de l'appareil utilise de l'éther, un élément hautement inflammable. Et c'est après une mauvaise manipulation que le projectionniste embrase l'ensemble de la structure en craquant une simple allumette. Les visiteurs, enfermés dans un lieu avec peu de sorties, se retrouvent vite pris au piège, au cœur des flammes. La liste des victimes comporte une majorité de femmes et de nombreux enfants. Et c'est en leur honneur que fut construite Notre-Dame de la Consolation sur les lieux du drame. Vous pouvez venir admirer cette merveille d'architecture au 23 rue Jean Goujon.